Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Est-ce que vraiment être esclave de la justice dans la salle? Vous voyez, tous les jours la même parole. Dans 3 ans, je dis, je vais se prêcher toujours la même parole. On va toujours trouver qu'il n'y a pas les esclaves de la justice. Tu vois comment ta voisine, ta voisine devant, ta soeur te demande, et tu es soeur, tu es vraiment ça. Vraiment, si tu es témoin, non, ça ne se fait pas. Non, tu as trop, Dieu beaucoup à faire. Moi, nous arrangez d'abord, n'est-ce pas? Faut vraiment aider Dieu à louer, à adorer, à bénir les autres, à donner le service qu'ils peuvent aussi donner aux autres. Mais vous allez aider le Seigneur à résoudre ce problème négatif. Alléluia. Ne soyez pas des anges sales. Soyez des anges propres. Quand on est propre, même l'eau que tu pourras boire sera aussi propre. Si tu es sale, tu pourras boire aussi l'eau sale. Parce que le salaire de tout un chacun est pas sa vie.